Rien que le fait que toutes les différentes confessions religieuses vivent en harmonie ici, c'est sûr qu'il y a des tensions d'un certain groupe et tout, mais tout le monde en tout cas essaye de vivre ensemble, de comprendre, de respecter les autres. Et je crois aussi ce qui vient, comme on dit, si je le ressens depuis quelques années, c'est de préserver un peu l'identité monastique. Il y a eu un gros boom aussi qui est ici. Je crois que maintenant je sens que ça revient un peu à l'intérieur. Il faut quand même protéger son île. Et c'est une île merveilleuse, justement, il faut garder ça. Et pas que voilà, ça soit trop abîmé par les touristes. Parce qu'après, les gens locaux vont se sentir lésés. Et je crois que ça crée un déséquilibre et des tensions. Mais voilà,